makasi. Pona nini lisa kota kina duwa tunano wate. Lise zali mondi minankolo. Lise kwa nchwa kukendia kubati la identite na ye. Akubika kaka. Yo kanga ina kole la ye. Yo kanga ina kwe mbao. Yo kanga ina kole la ye. Nanzela ya lo ye mboye. Mesdames et messieurs, chers internautes, bonjour et bonsoir. Bienvenue chez l'Essentiel. Nous sommes à la fin de l'année 2011. Beaucoup ne sont plus avec nous, mais nous, nous sommes là. Tout cela, je pense que c'est grâce à notre Seigneur et que nous devons remercier à tout moment, surtout les jeunes. Cette émission est spécialement pour les jeunes. Aujourd'hui, nous sommes reçus à la communauté chrétienne des pleins évangiles à Genève. À mes côtés, j'ai le pasteur Eric Kitenda, qui est le pasteur de cette communauté. Aujourd'hui, nous allons parler de la jeunesse. Le pasteur Eric Kitenda va s'adresser à vous les jeunes et je sais que vous êtes très attentifs à tout ce qui touche l'Église ainsi que la vie spirituelle. Aujourd'hui, il va répondre à quelques questions chez l'Essentiel dont vous vous posez. Je sais que Gillo, tu me regardes. Je sais que Gloria la tendresse, tu me regardes. Écoute bien ce que pasteur Eric Kitenda va nous dire. Pasteur Eric, bonjour. Bonjour l'Essentiel. Pasteur, c'est un plaisir pour moi d'être reçu aujourd'hui dans votre communauté. Pasteur, aujourd'hui les jeunes se posent beaucoup de questions. J'aimerais vous posez la première question, à savoir, qui est le responsable spirituel de notre jeunesse au jour d'aujourd'hui, selon la Bible? Avant de répondre à votre question, permettez-moi de saluer, de dire un bonjour aux frères et sœurs, aux jeunes qui nous écoutent, qui nous suivent au travers de cette émission chez l'Essentiel, de par le monde. Je dirais encore, excusez-moi pour la voix, je viens juste de terminer la prédication, je sors du culte, j'ai un peu la voix, la gorge enrouée. Pour répondre à votre question, je dirais ceci. La responsabilité de l'enfant ou du jeune incombe d'abord aux parents. Aux responsables de l'enfant. La Bible nous dit dans le livre de Proverbes au chapitre 22, au verset 6, « Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. » Les premiers responsables de l'enfant qui grandit, qui atteint l'adolescence et puis l'âge de la maturité, le premier responsable, ce sont les parents. Et en tant que parents et en plus chrétiens, nous avons la mission d'enseigner à cet enfant la voie que nous, parents, nous avons choisie, celle de Jésus-Christ. Nous avons rencontré le Seigneur comme Seigneur et Sauveur. Nous sommes le premier responsable. Le père, le papa est pasteur chez lui à la maison. Je suis le pasteur de l'église. Les frères et sœurs viennent avec leurs enfants. Mais chez eux, à la maison, le pasteur, c'est le père. Maman Bijou Mwanza, mère Obama de Genève, Oyoki, Blanchard Mwanza, Obama de Genève, Oyoki, pasteur Eric Kitenda Lobike, premier responsable de la vie spirituelle, les alliés, bino ba parents. Toujours continuer à solliciter. Boland. Pourquoi je dis que c'est le parent? Parce que je ne peux donner
à mes enfants que le meilleur de ce que j'ai. Et ce que j'ai de meilleur, ce que j'ai de mieux en moi, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Je ne peux pas attendre que ça soit seulement à l'église qu'on lui parle du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Du moment où moi-même je l'ai reçu dans ma vie et j'ai vu ce que Jésus-Christ a fait dans ma vie, je ne peux pas attendre que quelqu'un d'autre lui parle du Seigneur. Donc je suis le premier responsable spirituel de mes enfants. Et je dois commencer à les enseigner depuis qu'ils sont tout petits. Leur parler avec leur langage à eux de Jésus-Christ de Nazareth. C'est pourquoi l'auteur du livre de Proverbes dit « Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre ». Quelle est la voie que mes enfants, moi, doivent suivre? C'est la voie du Seigneur. Et quand ils seront grands, peu importe ce qui pourra se passer dans leur vie, ils vont se rappeler que notre papa, notre maman nous parlait de Jésus-Christ. J'ai une anecdote à vous partager. Nous savons tous ce qui s'est passé il y a quelques années en arrière à Phuket, en Thaïlande. Il y a un garçon, un jeune de plus de 18 ans, qui s'est trouvé avec ses amis à Phuket pour faire la fête. Et quand il y a eu ces tsunamis, dans l'hôtel où ils étaient, l'eau commençait à entrer, ça faisait des dégâts, des gens mouraient. Cet enfant-là a invoqué Dieu en disant, j'ai prié, il a interpellé tous les jeunes qui étaient avec eux. Mon père et ma mère prient, ils vont à l'église, ils nous parlent de Jésus-Christ. Et j'aimerais que nous puissions prier ensemble. Il a invité tous les jeunes, de toutes les nationalités, en leur disant, prie dans ta langue maternelle. Si tu parles anglais, prie en anglais, en français, portugais, espagnol. Priez, mais prions maintenant. Ils se sont tous mis à prier. Et quand il est rentré, il a rendu témoignage. Ce sont ses parents qui lui parlaient de Jésus-Christ. Les parents sont les premiers responsables. Et l'Église vient ajouter sur ce que les parents ont déjà partagé au sein de la famille. Vous voyez, c'est très important. Nous ne pouvons pas dire que c'est l'Église qui est le premier responsable. Non, c'est faux. Papi Panzo, le collecteur d'images, Oyoki Liloba, Balobi qui est premier responsable, Isaïo. Donc, Panzo Full HDMI, enseignement, Yali Bosso et Utapai Nayo, Ponabana. Oyoki, Full HDMI, Naebi Keyum to Kangibi Lili, na Minito, donc les collecteurs d'images. Oyoki Pasteur. Merci beaucoup, Pasteur. Et puis, deuxième question, est-ce que nos jeunes, ils sont vraiment soutenus par l'Église? Parce qu'aujourd'hui, on voit qu'il y a des jeunes qui sont des fois déçus et par l'Église et on se demande pourquoi. Quelle est la part de l'Église dans tout cela? Oui, c'est vrai qu'au jour d'aujourd'hui, je ne veux pas faire l'avocat de l'Église. Je ne veux pas aussi être celui qui va apporter une condamnation sur l'Église. C'est vrai que quand nous regardons aujourd'hui notre jeunesse, cette jeunesse est un peu éparpillée. C'est vrai, il y a des jeunes aujourd'hui qui ont été déçus par l'Église, qui se sont sentis mal compris par l'Église, rejetés par l'Église. Ça, c'est une vérité. Mais pour ma part, je ne sais pas comment fonctionnent les églises, que ce soit ici en Suisse ou partout dans le monde. Chaque église met en place des structures d'encadrement pour la jeunesse. Je sais comment les choses fonctionnent dans notre église. Si cette émission était faite le dimanche 18, vous allez vous en rendre compte vous-même parce que nous aurons un culte qui sera dirigé par la jeunesse. Donc c'est lui qui va présider, qu'on appelle communément le modérateur, ça sera un jeune. C'est lui qui va prêcher, ça sera aussi un jeune, notre frère Joseph Akanda, qui va apporter la parole de Dieu. Et puis tous les programmes, la louange, l'adoration, sera fait par ou animé par les jeunes. Nous avons une structure d'encadrement de la jeunesse, il y a des rencontres de jeunes, il y a des nuits de prière, rien que pour les jeunes.
nous n'arrivons pas toujours, parce qu'il faut savoir que nous vivons un temps où, des temps très difficiles. La corruption, la séduction, les jeunes, nos jeunes sont confrontés à beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses difficiles. Il y en a qui sont en échec scolaire, il y en a qui passent des moments très difficiles parce que le couple ou les parents, le mariage de leurs parents battent l'aile, ils ne savent plus quoi faire. Ils sont vraiment, vraiment abattus, attristés, accablés par les soucis. Il y en a qui sont à la recherche de places de stage, ça ne marche pas, et on leur parle de Jésus. Il y en a qui arrivent à suivre, il y en a qui ont du mal à suivre. Il nous faut l'essentiel, beaucoup, beaucoup de patience. Il nous faut beaucoup d'amour, du temps pour être à l'écoute des jeunes. C'est que les jeunes ont besoin aujourd'hui, mon frère, c'est une oreille. Une oreille. Ils ont juste besoin d'une oreille, que quelqu'un puisse donner de son temps pour les écouter. Des fois, il n'y a pas besoin de dire quoi que ce soit. Juste les écouter. Je reçois de jeunes ici au bureau qui ont juste envie de parler. Je les écoute et puis après ils disent « Pasteur, merci », ils s'en vont. Il y en a dès qu'ils commencent à parler, il y a des larmes qui coulent. C'est difficile, ils sont confrontés à beaucoup de choses. Il faut que nous puissions nous rendre aussi une chose. Il y a des choses terribles qui se passent à l'école. Les jeunes rencontrent de tout à l'école. De tout. Nous remarquons des fois un jeune qui avait une façon de s'exprimer, de parler, mais juste en commençant, en allant à l'école, son langage change. Parce que les fréquentations qu'il a rencontrées à l'école ont un langage barbare, vulgaire. Et puis tout d'un coup, vous voyez que votre enfant a changé complètement. J'ai été surpris, j'ai des enfants qui sont encore tout petits. Et ma fille est née à 8 ans et demi, la deuxième à 6 ans. Mais j'ai expérimenté quelque chose d'incroyable. Dès qu'ils ont commencé à aller à la garderie, elles sortaient des vocabulaires, des expressions. Je disais, mais où est-ce qu'ils sont allés chercher ça? Mais c'est l'école. Je ne suis pas en train d'apporter une accusation à l'école, mais c'est aussi un fourre-tout. C'est pourquoi nous devons vraiment veiller. Par rapport à l'Église, oui, l'Église a une très grande responsabilité sur la jeunesse. Il faut que l'Église, nos églises puissent mettre en place des structures d'accompagnement de la jeunesse. Il faut que l'Église puisse tendre l'oreille pour être à l'écoute de la jeunesse et puis prendre du temps dans la prière avec la jeunesse, parce que les jeunes aujourd'hui se sentent un peu délaissés. Merci, pasteur Eric Kitenda. Vraiment, je suis très ravi. Vous nous avez apporté des réponses. Et j'espère que les jeunes, comme Timba Le Bogar, les jeunes papas, Blanchard Sarkozy, les jeunes papas, vous qui nous suivez, je sais que vous allez réfléchir à cela, sur la responsabilité spirituelle des parents. Pasteur Eric, aujourd'hui, c'est la fin de l'année. J'aimerais que vous puissiez apporter à toute cette jeunesse de vœux. Et je sais que vous en avez beaucoup. C'est pour cela que je vous laisse ces moments, ces deux minutes, de vous adresser à cette jeunesse qui ont été dessus, cette jeunesse qui veulent venir à l'église, mais ils ont des difficultés, on ne sait pas qu'est-ce qui ne va pas, mais cette nouvelle année 2012, glorie à la tendresse, tu voulais cette réponse, tu voulais entendre les vœux. Maman Obama, tu voulais entendre les vœux. Viens en gagne à bonne sanité. Aux Hollandais, les bourgeois tranquilles, Roma de Roma, Oyoki, Yoka, réponse, baveux, il y a pasteur Eric Kitenda, il y a communauté chrétienne de plein évangile à Genève. À tous les jeunes, nous voulons dire ceci. Il y a un texte dans la Bible qui dit
à tes résolutions répondra le succès. Même si tu as été déçu par la famille, tu as été déçu par les autorités, tu as été déçu par l'Église, j'aimerais tout simplement te dire une chose. Nous allons à l'Église non pas pour plaire aux hommes, nous allons à l'Église pour louer l'Éternel, glorifier l'Éternel, apporter notre offrande à l'Éternel notre Dieu. Quand je parle de l'offrande, je ne parle pas de l'argent que nous mettons dans le panier, mais l'offrande de louange et d'adoration à l'Éternel ton Dieu. C'est ça ce qui est important. Nous pouvons être déçus par des hommes, mais Dieu ne nous décevra jamais. La Bible déclare que je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai jamais. Le Seigneur nous fait cette promesse et nous devons nous appuyer sur l'Éternel notre Dieu. Paul disait à Timothée ceci, son fils spirituel, que personne ne méprise ta jeunesse. Il encourageait, Timothée fut un jeune pasteur et Paul l'encourageait dans son ministère, qui dit personne, il dit personne, que personne ne méprise ta jeunesse. Tu es jeune, oui, mais tu as un Père, l'Éternel, ton Dieu. C'est en lui que tu dois placer toute ta confiance. C'est à lui que tu dois t'appuyer. Tu ne dois compter que sur lui. C'est très important. Et je t'encourage, je te laisse un défi. Prends une bonne résolution pour l'année 2012 qui commence. Si tu avais abandonné, tu avais arrêté d'aller à l'église, prends une décision. Avec cette année nouvelle qui commence, prends la décision de retourner à l'église. Nous voulons encourager vraiment nos jeunes en leur disant que oui, ça arrive des fois dans la vie qu'on soit déçu. Nous pouvons être déçus de nos parents, nous pouvons être déçus de la société, les autorités, nous pouvons être déçus de l'école, de l'église aussi, oui, beaucoup même dans ce temps que nous sommes en train de vivre, le temps de la fin. Mais j'aimerais vraiment, j'aimerais t'encourager, mon frère, ma soeur, jeunes gens, faisons confiance à l'Éternel. Plaçons toute notre confiance à Dieu. Il y a des belles promesses dans les Saintes Écritures où le Seigneur parle vraiment aux jeunes. Je me rappelle par la bouche de son serviteur Joël, il disait que dans les derniers jours, je répandrai mon esprit. J'ai répandu mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos vieillards auront des songes. Vos jeunes gens des visions. Nous sommes dans le temps où Dieu est en train de visiter, de manifester sa puissance au travers de jeunes. Je vous le dis, bien-aimés dans le Seigneur, vous qui aimez l'Internet, consultez l'Internet, vous allez voir de par le monde, dans les quatre coins, aujourd'hui Dieu utilise des jeunes, des 10, des 15, des 20 ans, qui prêchent la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Beaucoup des âmes sont sauvées par la puissance du Saint-Esprit au travers d'une jeune génération. Je t'encourage, mon frère, ma soeur, toi qui m'écoutes, au travers de cette émission Chez l'Essentiel, ne baisse pas les bras, va de l'avant. Tu avais arrêté toute activité dans ton église. Je t'encourage de retourner. Tu chantais, tu intercédais. Retourne à l'intercession, retourne à la chorale. Tu faisais le service d'accueil. Retourne, sers l'Éternel ton Dieu. C'est un homme, c'est une femme qui t'a déçu, non pas l'Éternel ton Dieu. Tous mes vœux de bonheur, de prospérité pour l'année 2012. Je prie vraiment que le bonheur et la grâce, comme la Bible nous le dit dans le psaume 23, puissent vous accompagner tous ces jeunes gens. Soyez bénis, encouragés au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. Bye. Merci beaucoup, Pasteur Eric Kitenda. On a entendu le message, le jeune, bébé J3, le jeune patron, Oyoki, Abson, Monaco de Switzerland, Oyoki, Triple X, Boyoki, Boyembe la Nzambe. Pasteur Alobi, Boyembe la Nzambe. Naebike, Bosala Ramo déjà, mais encouragez Bino chez l'essentiel. Donc, merci beaucoup, Pasteur. Un dernier mot pour la fin. Au nom aussi de toute la communauté chrétienne du plein évangile, nous voulons bénir cette émission Chez l'essentiel. Que Dieu puisse te bénir, mon frère, l'essentiel. Que le Dieu puisse bénir mon frère Eric Panzou.
faut lâcher des mi. Les collecteurs d'images. Que le Seigneur se souvienne de vous. Merci de nous avoir donné aussi cet espace de pouvoir encourager, exhorter le jeune. Nous sommes reconnaissants à l'Éternel. Vraiment que Dieu bénisse votre mission et le travail que vous êtes en train de faire. Que Dieu vous bénisse et si on n'arrive pas à se croiser, nous vous souhaitons joyeux Noël et bonne année 2012. Merci pasteur, vraiment je suis très ravi chez l'Essentiel de recevoir un homme de Dieu, pasteur Eric, qui était dans la communauté chrétienne de plein évangile à Genève, en Suisse-Irlande pour ceux qui sont de loin comme Congo-Mikili Jacques, Omoni, Masolo, na Genève. Doba pasteur, bazote ya biso ba jeune, doto yo kali loba ya nzambe. Merci beaucoup pona Congo Mikili, na nyonso obosalaka pona mokili na biso, bo continuer nzambe pe a pambola bino. Eric Son, le mannequin de Genève, na bosanite, mama Christia le terminus ya Eric Malembe, na bosaniote, dobia imajo bozo Hollanda chez l'Essentiel, ezali Papi Panzu Full HDMI, doba lobi le collecteur d'images. Oh, image na yuza na problème. Oh, moutumoko ba filma ki yo, me yeba ki chez le collecteur, solution ezali. Papi Panzu, moussousoute, merci l'Essentiel en direct de communauté chrétienne de plein évangile à Genève. Merci.